Salut à tous et à toutes les gens, c'est King Logan TLC. On se retrouve pour ce nouvel épisode de Quick Infocraft. Donc aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler tout simplement de la toute prochaine mise à jour qui est donc la 1.8. Donc qui sera sûrement un mélange de 1.7 et de 1.8. Donc c'est super probable, hein. Je dis peut-être, mais voilà. Ce sera un mélange des deux, donc ce sera la 1.7 et la 1.8 mélangés. Donc tout simplement pour vous dire que 4G Studio nous a fait un petit joli cadeau ce matin, un joli petit cadeau plutôt. Alors je vous balance l'image tout de suite, elle va apparaître. Donc qu'est-ce qu'on peut voir sur cette image à première vue? Alors on voit une télé et une peluche de golem, donc elle est géniale. Si quelqu'un veut bien me l'offrir, j'habite au... Non je rigole. Donc on sait que 4G Studio, quand ils reçoivent des peluches, quand ils ont leurs peluches, ben ils nous montrent les peluches mais aussi le contenu des futures mises à jour. Donc là on va zoomer sur l'image de la télé et on va l'analyser. Alors tout simplement, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit Steve au premier plan avec la barre qui contient les items. Donc qu'est-ce qu'on peut voir sur cette barre, mesdames et messieurs? Alors sur la barre, on peut tout simplement voir à gauche de la viande de mouton. Alors oui, les moutons louteront de la viande sur la prochaine mise à jour. Juste après, on retrouve, je crois, c'est soit le saumon ou les poissons clowns, je sais plus très bien, on voit très mal d'ailleurs, je sais plus lequel. Après, on voit le gros poisson, je sais plus comment ça s'appelle, les poissons globes. Oui, les poissons globes. Et juste après les poissons globes, on voit ce qui ressemble à de la hardened clay, ou plutôt à de l'argile durcie en français. Voilà, ensuite plus généralement, on va analyser le biome. Donc il s'agit d'un biome Mesa, je crois qu'on appelle ça, un biome Mesa. Moi j'appelle ça un biome argile, hein, tout simplement, parce qu'il y a plein d'argile dessus. Voilà, mais ça semble pas un biome Mesa ordinaire. Tout simplement pourquoi? Parce que un biome Mesa n'est pas composé de grosses tours comme ça, si on peut dire. Un biome Mesa normalement c'est moins énorme et surtout moins profond. Je sais pas si vous voyez derrière là-bas, mais il y en a encore. Donc peut-être que ce sera les Extreme Hills. Donc qu'est-ce que c'est les Extreme Hills? Tout simplement c'est les biomes amplifiés. Donc à prendre avec des pincettes, bien évidemment. Nous ne savons pas encore si vraiment ce sera un... voilà, c'est peut-être juste la génération de ce monde là qui est comme ça, ou peut-être voilà, peut-être qu'on aura les trucs amplifiés, les biomes amplifiés, ce serait juste génial. Donc voilà, et derrière à gauche on peut voir du sable rouge. Je pense que c'est du sable rouge, en tout cas ça y ressemble fortement. Et mesdames et messieurs, juste derrière Steve, à côté de son épaule gauche, qu'est-ce qu'on peut voir dans l'eau? Un gardien, eh oui. Donc, ce qui signifie qu'on aura les temples de la mer, les éponges mouillées, tout ce qui est nouveau bloc, tout ce qui accompagne les gardiens. Donc voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour l'instant. Mesdames et messieurs, oui, vous êtes vieux pour la plupart. Assumez un petit peu. Donc voilà, mesdames et messieurs, c'est... une petite confirmation de la part de 4G Studio pour la 1.8. Donc le reste il sera très certainement, après comme je vous l'ai dit dans le dernier épisode de Quick Infocraft, eux-mêmes, donc 4G Studio, vous pouvez très bien chercher le tweet sur Twitter, sur leur site, sur leur page Twitter plutôt. Vous pouvez bien chercher l'info, que je ne mens pas, et ils avaient dit qu'ils feraient des petites mises à jour en attendant la grosse. Donc je sais pas du tout ce qu'elles vont contenir. Je sais pas du tout si celle-là arrivera par une grosse mise à jour ou par des petites, telles des snapshots, je n'en sais rien du tout. Donc on verra bien. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que quand 4G Studio montre des peluches, eh bien la mise à jour ne tarde pas à arriver. Sur ce les amis, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like, ce serait très sympa et encourageant pour moi. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous.